Je suis Féfé Onanga. Je voudrais d'abord m'excuser auprès de nombreuses personnes qui ont voulu suivre le direct depuis hier. Nous en excusons parce qu'hier il ne faisait pas beau temps au niveau de Port-Gentil. Et donc ça a été renvoyé pour aujourd'hui. C'est pour cela ça a eu du retard. Je m'adresse à vous parce que vous connaissez ma position et ma situation. Il m'est interdit des meetings, des conférences de presse et conduite politique par le pouvoir en place. Si bien que le MPR a pris la ferme résolution de s'adresser à vous par les réseaux sociaux. Je suis surpris par le comportement de nos acteurs politiques, pour surtout pour ceux qui se disaient à un temps soit peu qu'ils étaient de la coalition. Aujourd'hui, dans le Gabon, on ne parle que des élections législatives. Mais ceux qui font plus parler des élections législatives, ce sont ceux qui hier se disaient de la coalition au lieu que ce soit les membres du gouvernement, les principaux concernés. Alors, ça ne nous surprend pas, d'autant plus que nous connaissons que ils sont venus dans l'opposition avec deux buts. La première chose, c'était gagner avec Jean-Ping. La première chose c'était pour gagner avec Jean-Ping et la deuxième avec Ali Bongo. Voyant que Jean-Ping en ce moment n'est pas encore au pouvoir, ils sont repartis avec leur premier amour avec Ali Bongo Ondimba. Cela ne nous surprend pas parce que nous savons qui. Sauf qu'il y a une chose que nous devons faire comprendre à la population, dans quelles circonstances devons-nous aller aux élections législatives, pourquoi devons-nous aller aux élections législatives. Les circonstances, nous sommes encore très écœurés par nos morts, nous savons qui a tué qui, et tout de suite on nous demande d'aller aux élections législatives. Nous réclamons encore le résultat des élections présidentielles qui ont conduit tout le monde que c'est Ping qui a gagné et nous voulons qu'il prenne le pouvoir. Mais tout de suite, on nous fait croire que ce sont les élections législatives qui vont tout faire taire. Pourquoi ces élections législatives? Ces élections législatives sont pour faire croire au monde entier que c'est fini. Ping a gagné, a perdu les élections. Madame Madeleine Bourantour a tout dit et les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables. Mais c'est un leurre. C'est un leurre d'autant plus que la souveraineté appartient au peuple. Le peuple a décidé que c'est Jean-Ping qui a gagné les élections législatives et les élections présidentielles et c'est lui qui est le président de la République. Maintenant, les amis du président en place, si il a envoyé dans l'opposition faire semblant d'être avec nous, aller aux élections législatives. Nous, notre position est claire, simple, nette et précise. Nous ne prendrons pas part à ces élections législatives, d'autant plus que la vérité des urnes n'a pas encore été ressortie, d'autant plus que nous ne connaissons pas qui a tué qui. Il y a eu des morts et il faudrait qu'on sache qui a tué qui. Parce que dans ces élections législatives, on peut même avoir des assassins qui aujourd'hui peuvent prétendre aller aux élections législatives. Doit-on voter un assassin? Doit-on demander à un assassin de devenir homme politique? C'est dans ce contexte que nous disons qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas prendre part à ces élections législatives. Hormis cela, nous sommes surpris par la réaction de M. Kizuba Ndama, président de
de l'Assemblée nationale futile, qui lui s'en prend aux réseaux sociaux. Mais Guy Zouba connaît que nous n'avions pas droit à la télévision, nous n'avions pas droit à la radio, nous ne faisons pas des conférences de presse, nous ne faisons pas des réunions publiques. De quelle manière devons-nous nous expliquer en dehors des réseaux sociaux? Cela va sans dire que lui, il est de mèche avec le pouvoir. Nous connaissons la position de Guy Zouba Damara. Nous ne voulons pas parler de la position pied gauche, pied droit. Nous savions tout ce qui se passe et tout ce qui se passe. Pourquoi ces gens-là veulent-ils aller aux élections législatives? Ils veulent aller aux élections législatives parce que tout ce qui sort de l'écurie Jean-Ping est aujourd'hui achetable. C'est-à-dire qu'on veut faire comprendre à l'opinion internationale que voilà, les gens qui hier soutenaient Jean-Ping ne sont plus avec lui, mais qui viennent aux élections législatives. Donc Jean-Ping n'a plus le droit de se réclamer que c'est lui le président ou c'est lui qui a eu les élections législatives. Parce que ce sont les mêmes institutions, ce sont les mêmes personnes qui vont diriger ces élections législatives et ce sont eux qui vont prononcer qui a gagné et qui a perdu. Alors ça va sans dire que tous ceux qui sont du camp de Jean-Pierre qui vont aux élections législatives sont considérés dans l'ensemble des gagnants. Mais est-ce que ces hommes-là au moins pensent au peuple? Est-ce qu'ils savent ce que le peuple a subi? Est-ce qu'ils savent ce que le peuple subit? Parce que nous, au niveau de l'MPR, nous ne parlons pas pour nous, mais nous, nous sommes engagés résolument auprès de Jean-Ping pour au moins à ce que la voix du peuple soit reconnue après le vote. Mais il est dommage que madame la présidente proconsulaire fait ce qu'elle a voulu et aujourd'hui notre vote n'a pas été validé. Qu'à cela ne tienne, nous disons que quelle que soit la durée, le soleil finit toujours par s'élever et nous tenons du comme faire que la gloire de Jean-Ping se reste sans être reconnue au niveau de notre pays. En outre, il y a eu des massacres pendant les dernières élections. Est-ce que ces acteurs politiques-là savent que les gens ont perdu leur vie à cause d'eux? Ils continuent à pleurer leur mort et ne savent pas là où les morts où ils en sont. Ce qu'on doit faire, les gens qui au moins veulent avoir un personnel, parce qu'il ne s'agit pas des besoins collectifs, des besoins personnels. Aller aux élections présidentielles, c'est une affaire d'individu, c'est une affaire de tout le monde. Et faire voix à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a eu un vote au niveau de la nouvelle constitution qui fait des enfants Dieu. C'est lui qui a la décision de tout. C'est, il n'a pas de droit. C'est-à-dire que si pas de là, on ne peut rien lui reprocher. Tout ce qu'il a fait, c'est bien, c'est bon. On va aller encore à l'Assemblée nationale faire quoi? Et dire quoi? Et pourquoi? Autant de questions se posent que ces hommes-là qui, aujourd'hui, sont capables de nous rendre. Mais nous nous disons et que nous savons que les élections présidentielles, Bilbe Binze avait dit qu'il y a 6 dossiers qui sont au bureau du Bamba. Et ces 6 dossiers-là appartiennent à des gens qui sont à coalition. Est-ce que c'est pour ça que les gens de la coalition courent pour aller vers les élections présidentielles pour avoir l'unité parlementaire? Question. Qu'ils nous disent qu'on aille à l'élection législative ou pas, cela ne change rien. Je parle de la politique de la chose, mais de que la chose est pleine. Qu'est-ce qui a changé auprès de nous, les citoyens? Quelle est la plus-value que nous avions reçue de l'Assemblée nationale existe depuis 90. Et les lois qu'ils votent, nous ne savons pas à quoi elles servent. Pire encore, il est dit dans la Constitution que 3 mois avant les élections, on ne peut pas changer de Constitution. Mais on a changé la Constitution. Qu'est-ce que les députés ont dit? Alors, vous comprenez que tout cela nous pousse à croire que ces gens ne sont pas venus de la coalition pour apporter un plus. Mais ils sont venus plutôt pour leurs intérêts personnels. Avec deux raisons. La première raison est que si Jean-Ping gagne,
Nous avons compris. Partant de cela, aux acteurs politiques de la province de Guadeloupe-Maritime, à savoir ceux qui sont censés aujourd'hui représenter le Guadeloupe-Maritime. Comme plus particulière le ministre d'État, le ministre après la presse qu'il aurait donné 12 millions sur une marche pour soutenir la politique du président. Vraiment, nous sommes curés par ce genre d'attitude. On va soutenir la politique du président ici que le président fait quoi pour l'argentier. Lui même quand il vient, lui le ministre d'État chargé du budget, qui est fils d'ici, il est fils d'ici parce que sa mère est d'ici. Il ne voit pas l'état de Port-Gentil. Il se contente juste de donner aux gens des cuisses de poulet, de l'huile et lui. Est-ce que c'est ce qui va faire en sorte que la misère des Gabonais puisse s'effacer? En allant en plus 200 000 francs chaque fois qu'il y a un décès, ou faire inscrire les gens à 45 francs CFA à chaque inscription. Quand le ministre du pétrole, lui, ce qu'il a trouvé mieux de faire, c'est de faire une collecte à ce que tous les gentils puissent donner de l'argent pour donner pour que l'hôpital de Tchengue soit refait. C'est pas sans dire que l'État, le ministre de la Santé, n'a pas de budget pour pouvoir payer des médicaments au commun des mortels. Alors, ce que nous aimons savoir, avec sont-ils là pour le compte de Logo Maritime ou sont-ils là pour le compte de Logo? Parce que s'ils sont là pour le compte de l'Ogoué Maritime, ici, il y a des problèmes. Le chômage bat son plein. Monsieur le ministre de la Finance, il a dans son bureau le dossier de Satram. L'État doit à Satram, il n'a plus de 15 milliards de francs. Et plus de 1000 et quelques employés ont gentillé là-dedans. Est-ce que pour lui, il ne serait pas judicieux de faire payer sa terre ne serait-ce que 2 milliards de francs pour que ses frères gabonais, à un temps soit peu, essayent de subvenir à la maison pour qu'on puisse leur payer. Quand on ministre du pétrole, lui, il allait mettre des ampoules solaires dans les quartiers, le meilleur arrondissement. Mais il faut demander à la SEG des eaux électriques ailleurs, ces deux-là. Où se trouvait-il avant qu'il ne soit ministre? Je sais que le ministre a chargé des finances, expert comptable, il a un cabinet comptable à Paris, il était directeur de finance, et quand on dit directeur de finance, les enfants étaient finance des Ivoiriens. Aujourd'hui, personne ne peut tomber en délire. C'est pour cela, d'ailleurs, notre ancien premier ministre, qui se disait de l'opposition, était obligé de fuir de là pour aller à Mouhamid, parce qu'il était en train de le battre, compte tenu de tout ce qu'il a fait. Et lui a été directeur de finances. Quand en est-il pour lancer les gens si haut à Port-Gentil pour dire que les gars de Port-Gentil se souviennent? Quand le ministre du pétrole était directeur de la finance, il fallait que sa mère aille pour soutenir le pacte social, pour qu'on s'y a un acte de l'UNIS. On a des signaux forts pour garder le type de soutien. On a donné les 20 000 francs, les 10 000 francs, pour quand il y a moins de 200 000 francs, que la population va soutenir ces hommes-là. Nous disons non. Bon, quand bien même ce sont eux qui font les élections, ils savent qu'ils sont les vainqueurs, nous disons plus. Mais à ceux-là, ils ont du fil à retordre, ni le port. Je pense que j'ai été un peu long et je laisse la latitude à ceux qui ont des questions posées. Bonjour monsieur Fernand. Donc, les vous ont adressé certaines questions et que nous avons essayé de réunir pour éviter les redites. Donc, la première question qui arrive, c'est essayer de savoir que pensez-vous de tout ce qui est des leaders autour du président élu Jean-Ping qui prône la participation
aux élections législatives. Je venais de répondre à cette question. Nous ne sommes pas surpris. C'est des gens qui savent pourquoi ils vont à l'élection législative. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je suis un plus PDG. J'ai adhéré au PDG à 17 ans et ne suis sorti qu'à 60 ans. Je ne dois rien au PDG. Même pas un décret. Et aujourd'hui, j'ai dit du PDG tout ce que je pense et tout ce que je sais vis-à-vis du PDG. On m'a mis en prison. Pourquoi ne vais-je pas aux élections? Parce que je ne dois rien au PDG. Ceux qui vont aux élections ont des comptes à rendre au PDG. Je vous ai tout à l'heure parlé des dossiers de l'opération Mamba. Est-ce que par hasard, ce ne sont pas ceux-là qui sont les concernés? Point d'interrogation, c'est ce que je peux vous dire. On continue. Le journal a publié un article dans lequel un compatriote salue votre soutien au parti Les Démocrates. Qu'en est-il exactement? Quel parti? Les Démocrates. Tout autre parti sauf les Démocrates. Le MPR a une philosophie. Tant que Jean-Ping ne dira pas un mot, nous ne préparons pas à ces élections. Je ne vois pas pourquoi je soutenir les Démocrates, même si c'est en colo. Pensez-vous qu'avoir des députés à l'Assemblée nationale va apporter un plus au combat que vous menez avec toute la résistance depuis 18 mois? Rien du tout. Rien du tout. Ça va plutôt. Ça, c'est pour affaiblir la résistance. C'est pour dire à la communauté internationale. Vous voyez, ce qui se fait hier avec Jean-Ping, on ne prie pas pour l'élection. Ça veut dire que ce que réclame Jean-Ping, c'est faux, parce que ce sont les mêmes institutions qui ont validé les mêmes élections. C'est ça. La journée, ils sont avec nous. La nuit, ils sont avec le pouvoir. Parce qu'il se reproche justement de quelque chose. Okay. Pensez-vous comme certaines personnes qui l'affirment que ceux qui vont aux élections ont un pacte avec le pouvoir usurpateur dont l'objectif est de faire oublier l'élection présidentielle d'août 2016 et la victoire incontestable de Jean-Ping? Absolument ça. Absolument ça. Ils n'ont pas tort. D'accord. Bien, monsieur le président, la diaspora, notre variante diaspora, et dans la rue depuis 18 mois. Quel message pouvez-vous envoyer, monsieur le président? Je vous ai toujours dit que la diaspora, nous, est mieux. Vous savez qu'il y a la diaspora en France, la diaspora en Belgique, la diaspora aux États-Unis, il y a la diaspora en Allemagne. Donc, en Afrique, au Canada, il y a dans toute l'Europe. Ce sont des modèles. Tant qu'eux, ils seront debout, mais le MPR sera toujours debout. Nous sommes un avec eux et nous sommes les mêmes. Nous les sommes ensemble. Mon message est qu'il continue. Et je le dis, tant que la marche continue, balance des balles ne va pas s'arrêter. Nous irons jusqu'au bout avec Jean-Ping. Nous comptons sur eux et ils comptent sur nous. Monsieur Fenra, vous gardez la même sérénité que le président et Jean-Ping. Quel est votre secret? Je vous fais une confiance. J'ai été au bureau de Dieu. J'ai fouillé, j'ai tout vu au bureau de Dieu. Mais il me manquait une chose. Vous savez laquelle? C'est la gomme. Ce qui est écrit par Dieu ne s'effacera jamais, quelle que soit la durée de Dieu. Je voudrais vous dire que King a gagné ses élections et c'est lui le président du monde. Celui qui est là est assis sur une chaise injectable. Allez-y lui demander s'il dort bien. Allez-y lui demander demandez s'il se sent réellement chef d'État dans ce pays. Posez-lui l'action. Je sais, quel que soit ce type finira par partir et pingera président. C'est ça mon secret. Je le crois dur comme fer et j'ai des preuves. Ok. Vous êtes un modèle pour beaucoup et la diaspora vous cite souvent en exemple. Merci, c'est moins un honneur. Je voudrais que beaucoup de Gabonais écoutent, suivent ce que je suis en train de faire. Nous n'avions pas d'argent. Nous n'avions rien. Nous nous en donnons beaucoup au MPR. Regardez l'âge des gens avec moi. Ce n'est pas des gens qui sont financièrement forts. C'est des gens qui sont dans la misère, mais c'est des gens qui sont déterminés parce qu'ils veulent assez que la résultat,
le résultat des urnes sont tués, les gens doivent être punis. C'est ça notre existence. Les Gabonais disent que vous êtes, avec votre mouvement MR, les seuls à être restés mobilisés à Port-Gentil et même dans tout le monde. Vous devenez ainsi un homme très influent. En êtes-vous conscient, monsieur le président? Conscient, oui. Pourquoi ne sais-je pas? J'ai un mouvement qui fonctionne. La preuve commence par des pierres sur un flambeau. Je suis la troisième personne la mieux gardée de ce pays. Parce que le président occupateur à la GR, le président Jean Ping à la gendarmerie, moi j'ai la police. Tous les jours qui rôdent autour de moi, venez vous me vérifier. Donc je suis la troisième personnalité. C'est pour moi une fierté que je mène un combat noble. Et c'est pour moi une source de motivation. Quelles sont les prochaines actions du mouvement populaire des radicaux dont vous êtes le président? Bon, écoutez, nous, c'est un secret, nous ne saurons pas vous le dire. Nous préparons un certain nombre d'actions et en fonction du temps. Fonction du temps. Nous voulons que ça s'achève le plus tôt possible. Nous savons ce que nous avions à faire. Ok. Que pensez-vous des actions de certains ministres d'Ali Bongo, l'usurpateur, qui viennent distribuer des cuisses de poulet aux populations alors que le chômage est devenu endémique et que les entreprises ferment les unes après les autres? Et que ces ministres ne disent rien, ne font rien pour apporter des solutions aux véritables problèmes des Gabonais. Quel message pouvez-vous leur donner? Vous savez, leurs actions vous surprennent-elles, les actions ministres? Je vous ai dit, moi, j'ai adhéré au PDG à 17 ans. Je ne suis qu'à 60 ans. La règle du PDG, est-ce que vous relevez-vous? Ça, c'est un parti qui ne vient vers les populations lorsqu'il y a élection. À quel moment avez-vous vu le PDG être sur le 50e? À quel moment avez-vous vu le PDG aller restructurer? Ça, c'est le de base quand il n'y a pas élection. Est-ce qu'il va vers les électeurs quand il n'y a pas d'élection? Dans les réunions, ils ne parlent que d'argent. Pas autre chose. Tout tourne autour de l'argent. Pour exemple, on vient de faire donner, on veut faire sortir au ministre d'État chargé du budget des finances 12 millions de francs. Est-ce que ces 12 millions, là, on ne peut pas dire ministre des finances, monsieur le ministre des finances, allez-y à l'hôpital de Nchengue, payez 12 millions de médicaments que vous allez subir à tous les malades. Est-ce qu'on ne pouvait pas prendre ces 12 millions de francs-là, aller refaire une salle de classe où aller faire implanter, il y a un partenaire où acheter les tables de banc. Ils ne pensent qu'aux matchs. À quoi serviront les matchs? Est-ce que c'est parce qu'on achète Ali Bongo et la passion de Port-Gentil, c'est d'accord les matchs? Alors, lorsque vous voyez des gens comme ça, vous vous dites que ces hommes-là, vraiment, ce n'est pas des gens normaux. Je vais vous surprendre. J'ai eu un entretien avec le ministre d'État chargé des finances. Qui est mon vœu? C'est mon vœu de le dire au vu de tout le monde. Je ne saurais le cacher. Je ne vais pas le nier parce qu'il est au PDG. J'ai les trois quarts de ma femme qui sont bidés. On s'entend, on rigole. Nous nous sommes rencontrés à l'aéroport, on a discuté. Le lendemain, ils ont fait sortir cette information sur les réseaux sociaux corrompus et que cet homme avait acheté. Est-ce que vous croyez que lorsque vous avez une idée qui peut faire développer la province, vous êtes encore à mesure de la lui donner? Vous ne pouvez plus conjuguer avec ces hommes-là. Parce que pour eux, ils ne voient pas l'intérêt collectif, ils voient l'intérêt personnel. Aujourd'hui, ces hommes politiques veulent se faire élire à Port-Gentil. Est-ce que c'est en droit des cuisses de poulet, des ailes de dindon, lui que les gens se sont compris que oui, ça c'est une personne, on doit l'élire. Ça, ça plus du pétac, c'est le cas par l'œil. Ça, c'est pour faire voir à l'heure distinguer que je travaille, ils vont faire une massive. Mais je parie ma tête que ces hommes-là vont se faire élire ici à Port-Gentil, à Mantilla, où le RPR est devenu. Okay. Port-Gentil est devenu une ville sinistrée.
la capitale économique est devenue la capitale du chômage. De nombreuses familles mangent difficilement chaque jour. Quel espoir pouvez-vous leur adresser, monsieur le président? Mais ils ont même un, je veux dire que je l'appelle de Port-Gentil. La poubelle. Vous voyez le nombre de poubelles qui jonglent les rues de Port-Gentil? Nous avons une mairie et qui a un budget. Vous voyez le nombre de chômeurs? Or qu'aujourd'hui, le service emploie presque 800 Gabonais. Saddam, plus de 1000 et quelques. Ne fût-ce que ces deux sociétés, si on peut les remettre en marche, ça va essayer d'éradiquer un peu le nombre de chômeurs au niveau de Port-Gentil. L'état d'où à ces sociétés et qui a fait tomber, par exemple, le service, c'est celui qui était ses gouverneurs. Qu'est-ce qu'on a dit? Et aujourd'hui, vous croyez que ces hommes qui ont perdu leur emploi, qui sont au chômage, même les retraités pour avoir leur argent, et d'ailleurs, la dernière fois, ils étaient obligés de lancer du sable sur la directrice de la CNSS et la traiter de voleuse de tout le monde. Est-ce que vous croyez que ces hommes-là ont le temps du vote? Alors que le message, on le fait passer partout de ne pas le vote. Ceux qui vont prendre les deux morceaux de poulet, le machin, c'est tout à fait normal. On leur... Le message est que le Port-Gentil est dans la misère. Et tant que le président qu'ils ont choisi ne sera pas là, eux ne seront pas d'accord avec le régime en place. Pensez-vous qu'il y aura une alternance? Si oui, comment comptez-vous œuvrer pour la vérité des élections dans notre pays? Mais nous sommes déjà en train de nous battre là-dessus. Est-ce que si c'était les gens sérieux, messieurs, est-ce que vous croyez qu'un chef d'État qui ne gagne pas à un seul bureau de vote dans une capitale économique est digne d'être président? Port-Gentil est le reflet du Gabon. Port-Gentil est le reflet du Gabon. Sur 104 bureaux de vote, même pas un seul bureau. Alors ça, c'est des signaux qui vont donner pour qu'il ait moins bureau de vote, pour qu'il ait moins... Ils sont aimés des Port-Gentil. Alors, allez-y comprendre. Comment expliquez-vous la grave crise économique que traverse la ville de Port-Gentil alors que le baril a bien augmenté? Mais ils profitent toujours de parler de la crise économique. Il n'y a pas de crise économique. C'est une crise structurelle. C'est une crise politique. Est-ce que vous croyez que les investisseurs vont venir lorsque la politique d'un pays n'est pas stable? Les investisseurs sont comme... les animaux en brousse. Vous êtes un chasseur, vous partez en brousse, s'il fait du bruit, vous allez fuir. Et vous allez retourner dans le village en génie. Tant que les choses ne seront pas mises en place, que la vérité des urnes n'aura pas jailli, il n'y aura pas d'avance. Et partout ailleurs, il n'y aura pas d'investisseurs. Bien. Je crois la dernière question. Pensez-vous que cette crise économique, la crise économique qu'on prétend sévir au bon, lié à la crise politique à travers notre pays? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que la politique? La politique, c'est l'âme génocide. Aujourd'hui, c'est le FMI qui dirige le Gabon. Le budget du Gabon, ce sont eux qui payent, ce sont eux qui font tout. C'est parce que nous sommes un peuple qui avions l'inculture politique. Si seulement le peuple était cultivé politiquement, autrement le PDG ne parle plus. Mais il profite de l'ignorance de 60% de la population pour nous faire ce qu'ils font. D'accord. Bien, je crois que nous avons parcouru les questions que les compatriotes ont bien voulu vous poser aujourd'hui. Un mot de fin, monsieur le président? Un mot de fin, je m'adresse aux populations du Gabon. C'est leur dire de garder espoir. Parce que si nous, le MPR, on n'avait pas espoir qu'on prendra le pouvoir, nous ne serions plus là. Et le président Jean Ping nous aurait déjà dit, écoutez, c'est fini, allez faire autre chose. Et tant qu'il ne nous l'a pas dit, tant qu'il ne nous a pas donné cet ordre, nous nous restons toujours mobilisés. Pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, vous vous souviendrez que le porte-parole Toto Mehi a dit que Jean Ping leur a dit certaines choses, il n'a pas envie de leur dire comment fera-t-il pour prendre le pouvoir, ainsi de suite. Mais pourquoi doit-il dire à des bandits, passez-moi le terme, à des traîtres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font de lui? Parce que lorsqu'on se bat pour une cause, on se bat corps et âme. On ne vient pas avec des calculs. Nous, un père, les trois quarts des gens avec nous ne travaillent pas, non rien. Et nous, c'est dur comme fait, les choses changent et doivent changer. Pour le bien de tout le monde, ne pensons pas à
Est-ce que les gens sont deux fois moins, je suis courtisé? Est-ce qu'ils savent les propositions que je me fais? Mais je tiens bon. Je pense aux générations futures. Je pense à tout ce monde qui est là. C'est normal que je leur dise au dernier moment, je suis parti au de 100 millions à un poste. Parce que Pierre Claver Akenenge avait dit dans une chanson, je vous le dis en nos miennes, et mon miso croisé pila rorema. Littéralement, ça veut dire que la fierté d'un homme ne vient que du cœur. Lorsque vous pouvez avoir de l'argent et que vous êtes un voleur, vous n'êtes pas un homme. Chez nous, on dit Elenge et Nogav, Elenge et Diombantou. Ça veut dire que le délinquant construit les maisons, le délinquant épouse les femmes, et il reste toujours là. Il reste toujours délinquant. Et les Tchadiens disaient, ton Balbaï était président au Tchad, mais les musulmans le traitaient toujours païen. C'est ça, la dignité d'un homme, la dignité d'un pied, de ce qu'il sort, de ce qu'il ressent. C'est pas aujourd'hui tu es à gauche, demain tu es à droite. Non, moi je suis un homme constant. Sur mes positions, je suis droit. Le MPR ira avec Jean-Pierre jusqu'au bout. Si Jean-Pierre dit, maintenant il ne veut plus du combat, on va aller le voir. Tu ne veux plus du combat. Si ces raisons sont fondées, on est d'accord. Si elles ne sont pas fondées, on finit avec lui. C'est tout. On n'a pas, nous ne sommes pas, nous sommes le MPR, Mouvement Populaire des Radicaux. Tous les Gabonais doivent être comme nous, ceux qui se sentent comme nous, ceux qui se battent pour une cause, ceux qui se battent pour une lutte. Parce que nous sommes un peuple opprimé. Il est anormal que nous ayons 50 ans, que ce soit toujours les mêmes personnes. S'il n'y a que cette famille-là, nous savons pourquoi Zuba le fait. Il a la logique du pied gauche, pied droit. Il veut que ça pouvait parler au Togo, ça va à l'Ogoué Lolo. Nous connaissons tout ça, mais nous, on dit que nous sommes Gabonais. Nous, à Port-Gentil, on ne connaît pas l'Ogoué Lolo, qui est l'Angounié, qui est l'Anyanga, qui est l'Olentem. Nous sommes tous Gabonais. Et nous disons que nous sommes tous un. Que les gens voient la manière dont nous vivons, que les gens passent entre QG au quartier chic, voir comment nous nous concertons. Nous faisons ça au vu au-dessus de tout le monde. Nous sommes des gens déterminés. Venez voir comment la police. Il faudrait au moins que chaque quartier, au Gabon, ait un QG, c'est ce que nous voulons. Nous ne vous demandons pas d'aller sur la rue, non. Nous savons que les choses sont faites. Tout ce qui est de Dieu vient doucement. Satan qui donne vite. Je vais vous donner un exemple. Regardez les élections, août 2016. Vous avez vu ce qui est passé tout le monde. Mais qu'a fait Jean Diable? Le diable a donné l'ordre à ses mercenaires de venir tuer des gens au QG de Jean-Ping, sans qu'ils ne s'en plaignent. Pour eux, ça leur dit rien. Même lorsque tu gorges une poule ou un mouton, tu as du frisson. Mais le fait d'avoir tué des gens, d'avoir maltraité des gens, le fait que les gens souffrent pour leurs opinions, le fait qu'on maltraite les gens, ça ne leur dit absolument rien. Interdit de parler, interdit de souffler, nous, ça ne leur dit rien pour eux. Mais nous, nous comptons sur une chose, la détermination des Gabonais. Je sais que l'abcès, lorsqu'on l'appuie, on appuie un peu, le puits sort et puis vient le sang. La date des hommes n'est pas la véritable date, mais Dieu a sa date. Je dois vous dire une chose, que Jésus n'avait que 12 disciples, n'a pas 1000 pour évangéliser le monde. Mais ces 12 disciples, ils savaient qu'il y avait des musées, ils savaient qu'il y avait des traîtres, et tout. Mais il a fait tout le monde. Donc, que tous ces partis-là sont la condition que le pouvoir appartient au peuple. Il y a une justice, cette justice est aux ordres. Dans quel pays du monde avez-vous la magistrature suprême grévée? Aujourd'hui, le magistrat demain peut-être glisseront à la rue. Mais vraiment, ce n'est pas le problème. De distinguer camarades, ils s'occupent même pas de ça, ils font le conseil, le ministre, le préalable. Donc, vous devez être mobilisé. Les choses vont sûrement lentement. Si je pourquoi avoir interdit Jean-Pierre de sortir? Pourquoi nous envoyer les policiers tous les jours pour nous empêcher de parler? Pourquoi? C'est fini, tout est réglé, tout est bien. Mais pourquoi nous empêcher de parler? Pourquoi n'empêche Jean-Pierre de sortir? Pourquoi garde les vies en prison? Pourquoi torture ton Zibi autant? Pourquoi ton Zibi va là?
amis à Washington. Pourquoi? Ils sont... Mais qui fait? Vous avez vu un pays où tous les jours il y a des grèves? Si c'est non aujourd'hui, c'est demain, il y a des grèves. Ça voulait vous dire que la main de Dieu est là. Elle est en train de faire son travail. Doucement, doucement. Et un jour, pas font partir. Lui-même, le distingué camarade, il sait qu'il doit partir. Et il ne le dira à personne le jour qu'il s'en ira.